Pour cette nouvelle journée de Fédéral 1 dans la poule 2, c'était un match important pour les Bergaliens qui se déplaçaient à Narbonne. Les Bergaliens qui vont ouvrir le score par leur artilleur Nicolas Cachet. A noter que ce match a pu se tenir malgré les dégâts de la tempête Gloria autour de Narbonne et de Carcassonne. Cette première mi-temps, c'est Parkinson qui va mettre les points de son équipe avec 3 pénalités. Au retour des vestiaires, les Bergaliens qui vont essayer de faire du jeu face à cette équipe narbonnaise. Motivé après sa défaite face à Nice, les Bergaliens qui vont se retrouver à 14 contre 15 après le carton jaune de Rémi Gabory. L'été qui sera transformé par Parkinson. Et à l'heure de jeu, côté narbonnais, suite à un joueur qui se jette dans le regroupement sur le côté, c'est Visser qui va prendre le carton jaune et sur cette magnifique cocotte bergalienne qui va gagner une vingtaine de mètres, l'arbitre va accorder un essai de pénalité. Et derrière, Parkinson va assurer les points au pied avant que Narbonnais mette un essai sur un cafouillage des bergaliens. Notamment de Mawalou qui est pris sans ballon. Essai qui ne sera pas transformé et au bout de cette finale, les Bergaliens qui vont mettre 3 derniers points et prendre.